Pour eux. Allez, on y retourne. Je vais devoir faire très attention par ici. Là-bas, quelque chose. Où ça? Il va me voir, il va me voir. Vite. Reste sur. Ça, ce sera rapide. La mort va me battre. Tu n'as aucune chance. Inutile de fuir. Oula, oula, ah, moi je suis en plein dedans. Ensuite, qui c'est qui reste? Je vais lancer l'enregistrement. Merde. Reviens ici. Allez, redescends pas. C'est elle. Merde. Mets pas le feu à l'alarme. Tiens. Voilà. Ça va donner l'alerte. Moi je récupère ça. Maintenant. Et voilà. Rien du tout.
Allez, il ne faut pas perdre sa piste. Couvrez ! Je fais même pas l'effort de mourir. Voilà. Regarde, il est foutu partout. Alors, qu'est-ce qui me manque? L'ostracon ou une... C'est bon, c'est bon. Voilà qui va diminuer les chances des Spartiates. Et niveau 14. Qu'est-ce qu'il fait tout seul là, celui-là? Voilà. Alors lui, il est motivé. Vous pouvez arrêter de bouger deux secondes. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai en équipement? Allez, vas-y, nounours. Putain, le mec, il a mis du temps à réagir, hein. Si ça amène-toi par là.
n'ai rien contre toi. Mais cette nuit, mais tu n'as pas les chances. Moi aussi, je sais te pousser. Tu as de la force. Bien. Rassemble tes affaires et retrouve-moi mon navire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. La mort approche, Elpenor. Les filles du satyre. Allons synchroniser d'abord. Non, mais ça faut monter sur le rocher. On monte sur l'arbre. Nicolaos m'a parlé de serpents dans les herbes. Je ne m'attendais pas à ça. Mieux vaut se méfier. L'endroit est derrière.
Efficace. La mort a été rapide. Merde. C'est bon, j'ai eu. Est-ce que lui va me voir? Je pense pas. Lui, s'il se retourne pas, ça va être coup de pied au cul. Olé! Non, 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 tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Je vois quelqu'un. Non, tu ne m'as pas vu non plus. Non, non, non. Oh, putain. Je vais t'avoir. Ah, oh, rapide pour moi. Mais non ! Oh là là ! Elle a peut-être des trucs intéressants. Voilà. Il a rien. Est-ce que j'ai eu tout le monde? Ouais, j'ai eu tous les gars. C'est un serpent, ça? Il est vachement grand. La question, c'est où est l'entrée? Bah merde, alors. Non, c'est pas là. Allez. Attendez.
Ah, je peux pas sauvegarder. Je sens d'ici la puanteur de ce Malaka. Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche avant de te tuer. Aïe! Personnel, Mystios, c'est ta mère que nous tenons. Tu es plus stupide que j'imaginais. Abandonne. Le culte obtient toujours ce qu'il veut. Nous avons déjà des Deimos. Nous trouverons ta mère et toi, tu mourras. C'est une erreur de me tuer. L'erreur, c'est de t'avoir écouté, Akephalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Ah, j'ai trouvé la Triforce. Enfin, un morceau. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Alpenor. Il pourrait m'être utile. Je dois rester caché. Quoi, on a tué tout le monde, c'est pas peine de rester caché. Voilà, peut-être pouvoir. Alors. Attitude. Quel niveau? 14? Vas-y. 1000% de dégâts, bah dis donc. Ça, je peux pas monter ça. Je vais garder mon point pour l'instant. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Bon, et maintenant? Montre du serpent.
parler à Hérodote. Je vais aller faire les filles d'Artémis d'abord. Là, on va se taper, c'est trop bon. C'est où? Invasion à l'armée. Difficile, normal. On va lui faire ça aussi. Ah non, je sais où je vais mettre mon point. Tout du tout. C'est pas ça? Non. Je vais mettre ça là-dedans. Et je vais le mettre ici. Voilà. Non mais oubliez-moi un peu là. On n'arrive pas à se débarrasser de ces maudits Athéniens. Et une bataille se prépare près de nos défenses. Ça te dirait de combattre pour Sparte, aux côtés de vrais guerriers, Mystios? Tu peux compter sur mon épée, Spartiate. Bien! Nous avons besoin de toutes les armes possibles. On va quand même pas se battre aux côtés des Athéniens, hein, franchement. Envoyons les Athéniens chez Hadès! Personne ne peut pas se battre.
Et poussez-vous du milieu. Allez, on a gagné. Oh, on a gagné. Voilà. Bon. Allons nous occuper du cochon. En avant. Hey. Allez. Allez, mais monte. Putain, elle est dure la montée. Hein. Je sais où il est là-bas. Ça, c'est du gros cochon. Oh, c'est avance. Du gros cochon. C'est cochonou. Choisis un autre chemin, voyage. Allez. Et pourquoi ça? Une créature dépassant l'entendement des mortels règne sur cette terre. Tu es prévenu. J'espère que tu as de quoi payer le passeur. Ça dépasse l'entendement. Il est... Ah putain. Chargé, hein. Allez, cochonou, amène-toi. Oh putain. Oh putain. Viens ici, espèce de saloperie de bestiole là. Oui, il est en train de se faire bronzer là. Allez, allez. Eh, hey, interdit de se régénérer là. Je suis en train de me faire massacrer par une bande de cochons. Et ben voilà. Je crois que je vais attendre d'être au niveau 50 pour aller le faire chier le cochon. Choisis un autre chemin, voyageuse. Alors, c'est quoi la prochaine quête? Ouais, c'est où? Là.
merde. Ah, c'est bien. Parlez, rodente. You. Il est en bas. Alors, voilà la salle secrète. La subtilité n'est pas leur fort. Justement. Plus c'est voyant, moins ils vont se... C'est dire que c'est important. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici, pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements ? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'ils les voient d'un bon œil. Comment tu me trouves ? Très moche. Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter ? Moi ? L'imbécile a eu l'idée d'un costume pareil. Dans son rôle, rien, oulala. Bonjour messieurs. Tu es très en retard. Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue ? Bienvenue, bienvenue ! Il y a beaucoup de monde ici. Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion, qui remonte à un certain temps. D'où est-ce qu'ils viennent tous ? De partout, même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. Tu as mentionné un nom, Deimos. Qui est-il ? Oh, tu vas très vite retenir son nom. C'est notre chef. Elle se considère comme telle, mais non, c'est notre arme. Elle n'est pas commode, mais ce qu'elle fait est important.
Et je ne l'envie pas, crois-moi. Pourquoi il y a marqué « il » alors qu'elle dit « elle » ? Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Elle avait dit pas d'arme, pourquoi elle a une arme elle ? Pour l'instant, ce n'est que du sang, mais qui sait ? Deimos réclamera peut-être nos mains. Allez, allez ! Fais ton offrande. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée ? La mère, le père, la sœur, tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux, de tous. Pour nous aider ? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de nous. Compte sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Deimos, ça serait pas le frère de Cassandra, par hasard ? Et qu'allez-vous en faire ? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Tu sais où elle se trouve ? Non. Mais on ne tardera pas à la prendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Parle-moi de Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à un homme si instable des informations aussi personnelles. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. Tu n'écoutes pas. Oublie la mère. Je ne suis toujours pas convaincue. Toi, nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable ? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mer. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu ? Faut-il traquer le père ou la mère du champion ? Ni l'un ni l'autre. Tu as une meilleure idée ? La sœur. Cassandra. Nous la tenons déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Non. Il faut s'occuper d'elle. Si vous voulez bien m'excuser. Non. J'ai parfaitement entendu. Mais tu as tort. C'est le père qu'il faut chercher. Ressaisis-toi, Malaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Ça te plaît de regarder, petite ordure ? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Il le mérite ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je...
Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte ? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je vais pas le faire. Je refuse. Oh, tu ferais bien d'accepter. Parce que je t'en donne l'ordre. Allez ! Bon, je vais le faire, allez. Donne-moi ça. Non ! Non ! Encore ? Non ! J'irai à Athènes ! Je surveillerai le temple ! Je le tuerai ! Bien. Et ne t'avise plus de me faire perdre mon temps ! Une autre erreur de ce genre, elle s'en va couler. Maintenant, fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, tu as vu quelqu'un entrer chez toi ? Que vous attendez. Pourquoi un tel visage, si triste, digne du masque tragique de Melpomène ? Ta famille est à l'abri, pour l'instant. Ne leur fais rien. Pitié. Cela dépend de toi, mais tu te tiendras bien. Dans le cas contraire, tu sais ce qui les attend. Je t'en prie, non. Nous les tuerons. Ta femme, ton enfant, que te resterait-il ensuite ? Plus rien. Exactement. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Mais si j'agis maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Nous devons parler d'une seule voix. Le culte doit choisir.
là, y a rien. Alors. Mais ça, on peut pas interagir. Pas rentrer. Putain, je vois pas ce qu'il faut faire. Faut lui parler, non. Je vois pas ce qu'il faut faire. Je suis allée partout. Hmm.
Ouais, c'est une mission. Apparemment, j'ai raté quelque chose. Là-bas. Une correspondance du culte. Par les dieux, ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. C'est étrange. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide, les couvertes d'éclats, comme celui d'Elpenor. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle et chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi ? Oh oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as perdu la tête ? Non. Mon grand guerrier n'est pas encore arrivé. Écoute, espèce de misérable, reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. Elpenor est mort. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Quoi ? Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va. Quoi ?
Quoi ? Viens ici ! Le traître est mort. Ah, tu es en vie. Ils me connaissent. Et ma famille. Ils veulent tuer ma mère. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte ? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Nous devons aller à Athènes. Athènes ? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance. Le culte de Cosmos appelle mon frère Deimos. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers. Il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès ? Périclès est le général qui dirige la Ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la Ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre ? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre, comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, partons. Athènes ? Le culte traque ma famille, ma mère ! Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous, y compris ta mère. Assez avec ta guerre ! Le culte veut exterminer ma famille ! Tu as un devoir envers le monde grec, tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyle. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les Thermopyles, et ensuite Athènes.
Je vais faire en sorte que chacun de ses adeptes meure de ma main. Alors, culte de Cosmos. Le culte de Cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers la montagne pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et annihiler définitivement. Oh. Oh là là, du monde. Lui, je l'ai tué, et lui, j'ai tué aussi. Ok. Epicalou, messer. Marca. Ah, elle est trop forte. Alors. Quête. C'est où ça? T'as les niveaux 40. C'est où les thermos machin? Ah, c'est là. Je les aide et ils me sautent dessus. Arrête-toi un instant. Non, j'ai pas le temps là. On va faire le reste à pied. Les Thermopyles. On dit qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageuses Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Thank you.
Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors pourquoi, Hérodote ? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Hérodote. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Où étaient les alliés de Sparte ? Les Spartiates n'étaient pas les seuls Grecs à s'opposer aux hordes de Xerxès. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes, prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leurs regards, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. La Pythie avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille ? Xerxès était renommé pour sa clémence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Il s'ensuivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. D'ailleurs, Xerxès, il n'est pas aussi pimp que dans le film. Qu'est-il arrivé à Ephialtès, le traître ? Xerxès l'a récompensé. Mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu, en lâche. Tu savais ce qui se produirait ? Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros, de mystérieuses formes taillées dans la pierre.
différente de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foie. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous ? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Leur dessein dépasse notre compréhension, et nous n'avons d'autre choix que les suivre. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme Elpenor ? Il fait... faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle ! Apollon ne le tolérerait pas ! Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver, avant eux. Je pense qu'ils s'en prendront aussi à d'autres personnes qui s'opposent à eux. Par Hermès ! L'office de l'oracle corrompu est maintenant ce culte ! Est-ce que l'on sait qui est à sa tête ? Je n'en suis pas certaine, mais... ça pourrait être mon frère. Ton frère ? Par Zeus, tu as une vie compliquée. Tu n'as pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais 3 ennemis, dont une qui se bat comme Athéna et manie la foudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Il est toujours aussi optimiste ? Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Poséidon, mène-nous à Athènes ! Il faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros ! Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il est vieux, et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer ! Poséidon, pourquoi tu cries ? Où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Mon père m'a appris que la mer était cupide, et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors allons-y ! Partons à la chasse aux pirates ! Ah, je peux entreposer des trucs. Ok. Maintenant. Alors, carte. Non, carte. C'est où, machin, ce bidule ? Et... je suis bidloss ou quoi ? Tassos, le boss, Tios... ah, c'est là. J'ai toujours pas assez de bois. Hein.
faut, nous pouvons améliorer la coque du navire. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Hein.